Prendre des vacances c'est très important sauf que donc je reviens tout juste d'une vacance d'une semaine avec la famille et c'était très très cool sauf que pour le sax on s'entend que on perd notre forme on perd notre dextérité aussi notre embouchure aussi en très peu de temps en tout cas parce que dans le fond hein, c'est des muscles qu'on a ici alors c'est certain que comme si tu fais un sport en particulier T'arrêtes pendant une semaine. Il va y avoir des répercussions. Mais puisque c'est pas très, très long comme pause, ça va aussi revenir très vite. Alors, c'est ça que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Je vais te montrer la façon que je fais pour revenir le plus vite possible en forme, en shape sur mon instrument. Et si tu fais ce que je te dis, probablement que dès demain, tu seras au même niveau que tu étais lorsque tu as arrêté. Si tu as arrêté, évidemment, environ une semaine ou deux. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive? c'est que tes muscles ici, comme je le disais, vont s'affaiblir ou être moins à l'aise, moins forts. Alors il faut les renforcer, il faut revenir où on était. Comme par exemple si tu fais du jogging, tu es capable de faire un marathon et tu prends une pause d'un mois, probablement que ce sera plus difficile. Tu vas être capable de le faire sûrement encore, mais ça va te demander à toi plus d'efforts. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener ça le plus vite possible? Ça va être de travailler un exercice spécifiquement justement pour l'embouchure pour relaxer tout ça et solidifier encore les muscles qui sont ici de ta mâchoire. Donc, on replace le tout avec un exercice. Et moi, ce que je fais personnellement, ce sont des sons filés pour ce qui est de l'embouchure. Et pour la dextérité, je vais te montrer un autre exercice un petit peu plus tard dans la vidéo. Ça aussi, c'est quelque chose que je vois tout de suite quand ça fait un moment que je n'ai pas joué. Quand je suis très en forme sur mon sax, je me sens comme si mes doigts étaient déliés, si tu veux. Et le contraire est aussi vrai quand ça fait un moment que j'ai pas joué. Là, j'ai l'impression d'avoir trois doigts. Alors, là aussi, je vais te donner un exercice de dextérité pour délier tes doigts, si tu veux. Et là, évidemment, à la fin de la session aujourd'hui, si tu fais ça, tu vas peut-être pas sentir une différence, mais dès demain, tu devrais être au moins à 80% de ce que tu étais lorsque tu as arrêté. Alors, ça, c'est vraiment cool, mais il faut focuser sur des exercices pour revenir le plus tôt possible. Si tu fais n'importe quoi, tu vas revenir à un moment donné, mais ça va être un peu plus long. En fait, c'est l'expérience que j'ai. Alors, fort probablement que quand tu vas revenir, après une semaine, tu n'as pas touché à tes anges, ça se peut très bien que tes anges soient toutes comme ça. OK? Alors, moi ici, j'ai un portage vraiment magnifique que je te parle dans une autre vidéo. Euh, que j'aime beaucoup, c'est un beau produit que j'ai découvert. Et ce que ça fait ça, c'est qu'il y a une espèce de contrôle de l'humidité avec une pastille ici. Mes hanches, elles sont plutôt correctes en général, je te dirais. Là, on voit pas très bien. Mais je te dis, elles ne sont pas du tout. Euh, frisé comme ça, peut-être une petite courbe comme ça mais si admettons tu les mettais dans un, un autre portange qui a pas le truc d'humidité, contrôle l'humidité, c'est vraiment vraiment pire. Alors ça ce portange là, euh, je te le partage, moi je l'adore, je ne travaille pas pour Vanderen, je te dis vraiment ça parce que je le pense et je l'utilise toujours depuis que je l'ai acheté. Alors c'est vraiment cool dans le fond, il y a une petite éponge dans le fond qui fait que le changement de température des hanches est moindre. Alors, s'il une journée qui fait 20 degrés Celsius et une autre journée qui fait 40, le portage ici va contrôler un peu du moins le changement de température grâce à la petite éponge qui est là. Alors, ça, c'est une première chose. Si jamais ton hanche est toute ondulée comme ça, tu peux toujours essayer de l'aplatir avec ton pouce sur une surface qui est extrêmement. Euh, Plane, alors ça, ça peut t'aider aussi. Sinon, si tu joues avec pendant quelques minutes, elle devrait, je dis bien, elle devrait se replacer. Tout d'abord, ce que je te suggère de faire, c'est que pendant cinq minutes, joue dans ton saxophone, joue n'importe quoi, joue ce qui te fait plaisir, des gammes, des modes, de l'impro, n'importe quoi en fait, une pièce, une chanson que tu connais déjà. Tout simplement pour te replonger dans le truc. Ça, c'est juste pour te réchauffer dans le fond. Après, on va aller travailler des exercices. Spécifique. Alors moi, comme j'adore l'impro, je vais simplement improviser pendant 5 minutes, juste jouer ce qui me passe par la tête, n'importe quoi, c'est pas important. Alors on joue pendant 5 minutes. Alors tout d'abord, comment je fais mes sons filés Tu peux faire des sons filés sur tout ton saxophone. Mais on ne va pas passer quatre jours à faire ça. Il y a plusieurs notes sur le sax. Alors, de la façon que je le fais, et je t'invite à le faire aussi, c'est de couvrir le plus de registres possible de l'instrument. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir des notes spécifiques. Et là, moi, ce que je fais, c'est que je vais faire une note grave et je vais ensuite passer une carte. Tu peux faire ça en tierce aussi ou en quinte, ça va encore plus vite. Mais carte, c'est déjà un bon milieu, je te dirais. Donc, admettons que je commence sur le Ré grave. Ensuite, je vais aller au sol, au do, au fa, au si bémol. Mais t'en fais pas, on va le faire ensemble plus lentement, donc tu vas comprendre. Les sons philis, ce que ça fait aussi, c'est pas simplement de replacer ça ton embouchure, mais ça va aussi travailler vraiment, vraiment beaucoup ta respiration, ta colonne d'air et ton diaphragme. L'exercice qu'on va faire aujourd'hui, je l'explique en détail dans ma formation son et interprétation. Alors, si tu veux aller vraiment plus loin, dans le développement de ton son, pour avoir un son vraiment qui te ressemble. Je t'invite à aller voir le lien de ma formation que je vais mettre juste ici et dans la description. Étant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, je vais commencer sur le sol. Alors, je vais faire un son filé sur le sol parce que c'est une note qui est pas mal au milieu du registre du saxophone. Alors, je vais faire un sol et lorsque ça, ça va bien, là, je vais redescendre aux notes graves. Alors, je vais aller faire soit le Si bémol ou le Si et ensuite, je vais monter à Ré. Ensuite, je vais monter en carte. Alors, ça, c'est une façon de faire. T'es pas obligé de faire ça. C'est ce que je te suggère. C'est ce que moi, je fais. Je vais prendre une respiration avec mon ventre et je vais faire un son filé. Je commence environ à F et je vais descendre jusqu'à rien. Comme ça. <laughs> Alors ça c'est pas si mal, là déjà je trouve que je n'avais pas bien placé ma lèvre, alors je vais me concentrer pour vraiment avoir une bonne embouchure, bien placer mon bec dans ma bouche et je vais refaire le même exercice. Là je pousse vraiment beaucoup de mon diaphragme et je sens que je suis déjà plus centré ici. Donc, ça, une fois que c'est fait, je vais descendre à une note grave, soit si ou si bémol. Là, ici, je vais faire si bémol, comme ça. Alors, le si bémol, c'est une note grave qu'il faut beaucoup d'air, donc, puisque le tuyau est bouché au complet. Comme tu peux voir, je ne le fais pas si longtemps que ça. Je pousse beaucoup mon diaphragme. Ce n'est pas une note qui va durer vraiment longtemps dans le temps. L'important, c'est vraiment de venir bien placer ça ici. Ensuite, je vais faire la même chose sur le Ré. Sur le Sol, comme tantôt, je vais le refaire. Sur le Do, médium, ici. Sur le Fa, avec la clé d'octave. Ensuite, une carte plus haut que le Fa, on a un si bémol, toujours avec la clé d'octave. Ensuite, on irait faire le mi bémol ici. Dans les palm keys. Ensuite, tu pourrais continuer et faire un son filé dans les altissimo Le La est une note assez facile dans les altissimo En fait, je pense que c'est la plus facile. Alors, tu pourrais le faire là-dessus. Tu commences encore une fois fort et tu diminues à rien. Alors, ça, c'est un peu plus difficile hein, d'aller à rien faire un addissimo. Ça demande beaucoup, beaucoup de contrôle, surtout après une pause d'une semaine, mais c'est un très bon exercice. Là, j'ai passé des notes, tu peux en faire plus que ça. Le but ici, c'est pas que ça prenne une heure ou 30 minutes encore. Dans le fond, un 5 à 10 minutes, c'est parfait pour rétablir tes sons filets. Maintenant, je t'ai parlé d'un exercice de dextérité pour délier tes doigts, si on veut. Alors, il y en a plein d'exercices de dextérité. D'ailleurs, je suis en train de te préparer une formation sur la dextérité sur le saxophone. Alors ça, ça va être bourré d'exercices. Mais là aujourd'hui, je vais t'en donner un que je fais assez régulièrement aussi. Alors c'est très simple. Hein? Ce qu'on veut pour délier nos doigts, c'est de faire soit des gammes, mais je te conseillerais encore mieux de faire du chromatisme parce que là, on va vraiment les chercher tous les doigtés du saxophone. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici Encore une fois, je vais commencer sur mon ré. Pour ne pas trop fatiguer mon petit doigt ici, faut faire attention aussi en passant avec les exercices de dextérité pour ne pas aller dans l'excès, surtout pour les petits doigts. Ici, c'est tout ton petit doigt qui va faire le travail pour le si bémol, le si et le do dièse. Donc, si tu en fais à l'excès dans le grave, tu pourrais avoir des douleurs ici. Donc, si tu as mal, arrête tout de suite. C'est pour ça qu'au début, je vais commencer sur le « ré ». Alors on laisse notre petit doigt un peu se reposer et ensuite on peut y revenir mais l'exercice de toute façon va être exactement le même principe sur tout le registre de l'instrument. Alors qu'est-ce que je fais Je vais aller faire des croches ou des doubles croches en chromatisme en partant sur le ré et je fais toujours ça avec mon ami le métronome, très 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 important mais moi je me fais prendre des fois, je me mets à faire ça et oh j'ai oublié le métronome, il faut que tu prennes ton métronome pour avoir le plus de précision possible. Et crois-moi, tu ne vas pas le regretter plus tard quand tu vas jouer des pièces parce que tu vas te sentir plus solide. Et tes doigts, quand je dis déliés aussi, ça va être égal. Donc, tu ne feras pas une affaire comme... Okay? Tu n'as pas le choix, le métronome te dicte la vitesse. Alors, tous tes doigts vont être égaux. Ta dextérité va développer également. Surtout le registre de l'instrument. Donc, je vais mettre un métronome à 60 et je vais faire des doubles croches en chromatisme en partant du Ré. Alors, je vais faire Ré jusqu'à Fa dièse en chromatisme et je redescends à Ré. Ça sonne comme ça. Ensuite, je vais aller au Mi bémol jusqu'au Sol. Je refais le même exercice. Ensuite, je monte tout d'un demi-ton du mi au sol dièse. 3, 4. Alors, je ne sais pas si tu entends, mais même moi, je sens que ici, entre le mi, le fa et le fa dièse, des fois, il y a des petits trucs qui accrochent. C'est très très subtil. Mais moi, je connais comment j'aime être à l'aise sur mon sax. Ça, c'est des affaires des fois que je vais faire Oh, là, j'ai un problème, alors je vais focusser sur le problème jusqu'à temps qu'il disparaisse. Donc là, je t'ai montré. Dans le fond, en partant de Ré, en partant de Mi bémol et en partant de Mi, mais ça, tu le fais jusqu'en haut. OK? Vraiment jusqu'en haut. Il y a des passages qui vont peut-être être plus difficiles ou sembler plus difficiles lorsque tu vas changer d'octave. Donc, tu vas utiliser ta clé d'octave ici. Par exemple, en partant du Si bémol, Si bémol, Si, Do, Do dièse et Ré. Là, tu as le Ré avec la clé d'octave. Alors, ça, il faut que ça soit précis aussi. Là, j'ai pas mis le métronome, mais qu'est-ce que ça pourrait faire sans le métronome? C'est ça. J'exagère. Mais on ne veut pas ça. On veut que ça soit exactement égal pour chaque doigté, chaque note. Donc, tu peux continuer comme ça, ensuite, du si au ré dièse. Donc, tu continues cet exercice-là jusqu'au do dièse en haut comme première note. Pourquoi do dièse? C'est que, dans le fond, tu vas faire do dièse, Ré, Ré dièse, Mi et Fa dans les palm keys, ok? Donc, si ça va bien, à 60, tu peux augmenter à 62, mais pas nécessairement le truc au complet, si tu veux. Tu pourrais refaire les sections que tu as semblé avoir plus de difficultés. Ça, si tu fais ça, ces deux exercices-là, les sons filés et l'exercice de dextérité que je viens de te donner, Demain, ça devrait déjà mieux aller. C'est comme si ton corps, ton cerveau va se replacer dans les prochaines 24 heures si tu fais ça. Et demain, ça va déjà être à 80 mieux, je te dirais. Ensuite, techniquement, dans deux jours, tu devrais être totalement rétabli. Donc voilà pour ça. J'espère que ça va t'aider. Si tu voulais avoir d'autres astuces sur le saxophone, je t'invite à aller voir les deux vidéos que tu vois juste ici. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.